Donc, je suis venu à la maison. Sei disponibile a qualunque tipo di lavoro? Sì, sono disponibile. J'avais fait un cours dans un bidonville dans le sud de l'Italie, vraiment à quelques kilomètres de la ville où j'ai grandi. Et c'est là où j'ai rencontré en 2015 la famille de Socorro, donc le personnage principal. Et donc en fait, c'est à partir de ce moment-là que le lien s'est tissé. Parce que pendant le tournage du précédent court-métrage, donc j'étais resté un mois et demi chez eux. Et puis de là, une amitié est née. Donc j'allais souvent leur rendre visite. Ils habitent dans le nord de l'Italie, près de Milan. Et donc il y avait des fois où j'allais juste passer une semaine chez eux, presque en vacances, donc c'était très chouette. Et puis en 2018, Socorro m'a dit, ah, tu sais quoi, en fait je vais me marier avec une fille du village au Burkina, donc en fait ce serait chouette que tu viennes, comme ça tu peux faire peut-être un petit film de mariage. Et donc en fait c'est lui qui m'a demandé. Et en fait c'est vrai que d'un film de mariage, après ça a été voilà, 4 ans de tournage, mais au début c'était né presque comme un film de pote. En fait, ça a été un processus assez organique parce que donc on a d'abord fait cet événement festif qui était le mariage, et donc en fait c'était 3 semaines de tournage en août 2018. L'idée c'était plutôt de faire peut-être un court métrage à partir de cet événement-là. Et puis voilà, on s'est rendu compte que le court-métrage n'allait pas raconter toute cette complexité. Et puis voilà, il y a eu plusieurs phases de tournage où en fait on allait dans l'appartement familial près de Milan, où en fait on captait des choses, mais on ne savait pas encore très bien quel était le cœur du film, parce qu'au début ça devait être aussi une histoire de fratrie, donc surtout une histoire entre donc Socorro et son petit frère. Et puis en fait on s'est rendu compte qu'il fallait mieux qu'on axe plus sur justement la distance entre les deux époux. On s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs tiroirs où voilà, il y avait le problème de l'argent, le problème des papiers, parce qu'en fait, pour les deux, à la base de ce mariage, donc pour Socorro et sa femme, il y avait une envie qui était presque contradictoire. Donc c'était, lui voulait se marier avec elle, fille du village, de son village natal, pour peut-être retourner au Burkina parce que la vie en Italie ne lui convenait plus. Et de l'autre côté, en fait, pour sa femme, c'était vraiment l'occasion de mettre un pied dans la porte européenne. C'était hyper complexe, donc par exemple la femme ne se rend pas du tout compte de quelles sont les conditions de travail de son mari en Europe. Lui en fait à un moment donné, la problématique d'avoir un CDI pour pouvoir ramener sa femme, voilà, qui est une condition indispensable, mais en fait ça a été quelque chose qu'il a presque détruit parce qu'il n'y arrivait pas. L'idée de terminer le film au Burkina avec la femme de Socorro qui attend la venue de son mari, c'est une façon de boucler la boucle et de montrer en fait finalement les différentes facettes de cette problématique. Ouais,